sommes actuellement au mois de mars et en cette première semaine de mars je n'ai pas cours, tout simplement parce que nous sommes en vacances d'hiver. Donc là je vais en profiter pour bien avancer mon travail, étant donné que, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, j'étais très malade le mois dernier. Du coup j'ai pris un peu de retard sur mon planning, donc là je compte bien le rattraper avant de partir en week-end. D'ailleurs cette semaine là je vais vous la vlogger, je vous mets la vidéo quelque part en haut parce que d'ici que cette vidéo sorte, le vlog aura été mis en ligne depuis bien longtemps. En tout cas je suis contente parce que j'ai bien avancé les révisions en droit des biens. De base c'était une matière qui me faisait un peu peur parce que elle a l'air simple mais elle est très technique en réalité, et j'ai avancé plusieurs thèmes, donc je suis quand même assez contente, surtout que là on a reçu l'emploi du temps de la rentrée et elle est un peu plus chargée parce que là ça va, j'avais un cours par-ci par-là, mais là ils ont commencé à mettre plus de cours, là on commence la procédure civile, donc plein de petites choses comme ça. Et il faut savoir que moi la procédure civile c'est vraiment ma bête noire, c'est une matière qui m'angoisse beaucoup parce que je sais que j'ai des difficultés, étant donné qu'à la fac on la voyait beaucoup en théorie. Moi pour ma part j'avais eu un QCM, j'avais jamais manié le code de procédure civile, donc ça fait beaucoup de choses à encaisser pour une matière si technique. Donc voilà, c'est vraiment une matière que je dois bosser très sérieusement et dont j'attends justement les cours pour être encadrée et avoir un accompagnement pour mieux appréhender justement cette matière. D'ailleurs je vous parle beaucoup de prépa, mais il faudra vraiment que je me pose 5 minutes pour vous expliquer plus clairement ce qu'on fait à la prépa, en quoi consistent les cours. Je crois que je vous avais quand même un peu parlé des ED dans l'épisode précédent où je vous explique ce qu'est un entraînement dirigé. Donc voilà, j'espère que le mois de mars sera productif, que je vais bien bosser, que je vais vraiment avancer de façon efficace et comme je le souhaite les différentes matières. Et voilà, de toute façon je pense qu'il n'y a pas de raison, je suis très motivée pour bien bosser. Donc voilà, et de toute façon je continue à vous emmener avec moi.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui c'était un peu bizarre comme journée. À partir de lundi, toutes les écoles, facultés, lycées seront fermées pour une durée indéterminée, on ne sait pas encore. Du coup, bon, la première chose à laquelle je pense, c'est la BU. La BU, comment je fais si j'ai besoin de bouquins. Surtout que cette semaine, on a fini le droit des biens. Et la semaine prochaine, on est censé commencer le droit des contrats spéciaux. Donc j'avais besoin de bouquins en contrat spé. Et du coup, en catastrophe, ce matin, je suis allée à la BU pour faire un peu une razzia de bouquins. Parce que on ne sait pas jusqu'à quand la fac sera fermée. Et en fait, entre-temps, il y a besoin de bosser, il y a besoin de réviser. Donc voilà, déjà, je suis à la prépa, je révise tranquillement la procédure civile. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a un peu de partout. Je me suis bien étalée. Et oui, également, je suis toute seule. Je suis toujours toute seule dans cette grande salle à bosser. Parce que je suis plus concentrée ici que chez moi. Et du coup, c'est pour ça que ça me saoule aussi le fait que tout sera fermé. Parce que du coup, je me posais la question de savoir si ma prépa allait être fermée ou pas. Et étant donné que c'est des consignes de santé publique, tout simplement, effectivement, ma prépa ferme la semaine prochaine. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. La secrétaire m'a dit qu'ils allaient s'organiser, voir comment on allait faire, s'il y avait possibilité de faire des cours par vidéo. Donc, voilà un peu pour les nouvelles. Ces prochains jours risquaient d'être un peu bizarres, mais je continue à vous emmener avec moi. De toute façon, je pense que j'ai pris assez de bouquins, mais ouais, je vais essayer de rester concentrée, de rester efficace, bien que je vais devoir rester chez moi pour bosser, essayer de bien organiser mes journées, de faire un maximum de choses, de bien planifier. Donc voilà, je continue à vous emmener avec moi et je vous tiens au courant pour la suite. Bon les gars, rien ne va plus, nous sommes en confinement. Donc, le mois ne se passe vraiment pas comme je l'avais imaginé, comme n'importe qui l'avait imaginé et comme n'importe qui l'avait planifié. Donc en fin de semaine dernière, si je récapitule un peu la situation, on a eu l'information selon laquelle les facs, les écoles, les lycées allaient être fermés. Du coup, il s'avère que depuis ce lundi, la prépa est effectivement fermée jusqu'au 15 avril, donc la date qui a été mise en place pour ce confinement. Des cours en ligne vont être organisés. Ils essayent de voir comment ils pourraient mettre en place un système de vidéo, un système de live. Je sais pas encore sur quelle plateforme, je sais pas encore comment ça va marcher. Mais voilà, je vais voir comment je m'organise. Je vais vous montrer aussi la razzia que j'ai faite à la BU. Parce que pas le choix en fait. Si la fac ferme, la BU ferme. Et en fait, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on est en vacances, il y a besoin de taffer, et qui dit taffer dit besoin de bouquins. Donc j'ai pris plein de trucs, j'ai autant pour l'écrit que pour les oraux, comme ça au moins je suis sûre d'avoir tout ce qu'il faut entre les bouquins que j'ai empruntés, les bouquins que j'ai vraiment à titre personnel, les miens. Je me suis dit, même si je suis enfermée 2 mois, que j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Franchement, entre ça et mon PC, j'ai largement de quoi faire, donc ça va, mais ça m'a vraiment angoissée sur le moment. En fait, ça m'a fait vraiment prendre conscience de l'ampleur du virus. Je savais que c'était grave, je savais qu'il fallait faire attention, je savais qu'il fallait bien se laver les mains, qu'il fallait pas avoir trop de contact, mais je pensais pas que c'était
au point vraiment de fermer toutes les écoles. Donc voilà, c'est une situation un peu bizarre, une ambiance un peu bizarre. J'espère qu'une solution va être trouvée. J'espère aussi que le fait que nous restions tous chez nous va améliorer effectivement la situation. Mais voilà, c'est assez inédit comme situation. Et ouais, je vous emmène avec moi dans ce moment un peu bizarre où il faut tout de même réviser et s'organiser. Donc voilà, on se retrouve très vite. Thank you.
Alors nous sommes à la fin du mois de mars, ça y est, il est enfin terminé. Enfin je pense que ce mois est passé quand même assez vite et il s'est passé beaucoup trop de trucs. J'ai enfin réussi à reprendre un rythme parce que avec le confinement, vraiment le début, j'ai eu vraiment trop du mal à travailler. J'étais super fatiguée, j'arrivais vraiment pas à m'y mettre. Mais j'ai réussi, comme vous avez pu le voir, j'ai bien bossé, j'ai fait mes exercices de droit des obliges. J'ai même fait hier ma note de synthèse, ouh, je l'ai envoyée. D'ailleurs en parlant de note de synthèse, vous avez vu il y a plusieurs semaines, je vous avais montré que j'avais fait ma première note de synthèse. Je suis trop contente parce que j'avais eu 13, et c'était une bonne note et tout, et les gens ils avaient eu pas des très bonnes notes. Et moi j'avais eu 13 et tout, du coup j'étais contente. Je sais que c'est pas très bien de regarder par rapport aux autres et d'être content d'avoir plus, mais... on va pas se mentir, c'est un concours déguisé et donc c'est important de se situer par rapport aux autres. Et comme vous avez pu le voir aussi il y a pas très longtemps, j'ai eu en visioconférence mon prof pour la correction de la deuxième note de synthèse que j'ai faite. Et en fait je doutais un peu, je sais pas, quand on a la correction on se dit souvent c'est bien ça que j'ai mis, tiens l'erreur qui vient de dire qu'il faut pas faire, je sais pas si je l'ai faite, je me souviens plus. Et on a souvent tendance à psychoter un peu. J'ai eu 15. J'ai eu 15, je suis trop contente. Là vraiment mon but pour la note de synthèse c'est de ne jamais avoir en dessous de la moyenne parce que ça marche très bien pour l'instant et j'ai capté la méthodo. Et bon par contre j'espère que ça va bien se passer pour celle que j'ai faite hier parce que je l'ai trouvée un peu plus compliquée. Pas dans le sens qu'elle a été compliquée mais je sais pas, genre le plan, comment je l'ai fait, j'ai un petit doute. Et puis mon intro faisait 9 lignes alors qu'elle doit faire entre 10 et 12 lignes max. Du coup elle a l'air un peu petite. Donc je sais pas trop, on verra. Mais voilà, ça va le faire. J'ai des matières que j'ai bien avancées, d'autres dans lesquelles il faut que je m'y mette. Et voilà, mais ça va. De toute façon je continue à vous emmener avec moi. Donc voilà, on se retrouve bientôt.